Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Freddy134. Donc les gars, là je vais vous représenter le glitch solo. Donc j'ai une petite méthode en même temps pour ceux qui ont l'émission bloquée, d'accord, avec un cadenas. Donc tout simplement vous irez dans en ligne et ça marchera. Donc je vais vous montrer cette méthode. L'ancienne méthode fonctionne toujours. Donc, vous pouvez faire avec Simeon. Vous avez plusieurs façons de faire, hein. Mettez-vous en visée libre. Et après, vous pouvez rejoindre ou une activité récente ou un ami qui est en visée assistée. Donc d'abord, vous allez mettre une véhicule dans le camion. Une RH8 ou un rebelle rouillé, un véhicule pas cher. Vous le laissez à l'intérieur. Vous ressortez et on va récupérer un caddie. D'accord? On va refaire la méthode que je vous ai fait hier. Donc là, je sors pour que ce soit mon véhicule que j'utilise. C'est toujours mieux. Ça aide à bugger plus facilement. Donc je le sors et je le re-rentre. Bon, on rentre le véhicule, on ressort. On va chercher le petit caddie. Donc pensez aussi à vous mettre apparition au bunker. Pour avoir apparition au bunker, il faudra que vous achetiez l'appartement qu'il y a dans le bunker. Donc c'est dans le téléphone. Dans la rénovation du bunker. Si vous l'avez pas, vous pouvez vous l'acheter. Donc là, impeccable. On va prendre le caddie et on va préparer notre activité récente. Parce que je vais pas rejoindre un ami. Je suis en visée libre, mais je vais pas rejoindre un ami. Donc je vais dans profil, activité récente. Je vais cliquer sur une activité récente, véhicule, acheter un véhicule ou acheter une arme ou à jouer au jeu de fléchettes. Ça peut marcher aussi. Voilà. Donc là après j'ai fait PS, je reviens dans le jeu, je fais pas retour dès que je suis là-dessus. Comme ça, dès que je vais cliquer deux fois PS rapidement, je vais arriver direct sur l'activité rapide. Donc là, essayez de vous placer comme moi. Alors vous pouvez ou de faire une demande d'activité à Simeon, vous voyez comme j'ai fait avec le téléphone. Ou alors la méthode que je vais vous montrer, si vous avez des Simeon verrouillés. Moi, vous voyez, regardez. Je vais en ligne, activité créée par Rockstar, mission et Titan ou la mission que vous voulez, peu importe. Le principal, c'est que quand vous la quittez, il faut que vous réapparaissiez dans le bunker. Par exemple, Martin, ça va vous faire arriver à l'extérieur du bunker, sans véhicule, sans rien. D'accord? Donc comme ça marchera pour vous. Là, vous allez vite. Voilà, j'ai raté. Donc il vous faut faire demi-tour et remonter vite dans le caddie avant que vous ayez cet écran noir. Donc normalement votre bonhomme, vous allez le voir qui fait un effet comme s'il allait monter dans le caddie. Là, ça veut dire que vous avez réussi. Donc n'essayez pas de lancer l'activité rapide, ça servira à rien, ça marchera pas. Il faut vraiment avoir le bon timing et que vous voyez votre bonhomme en train de monter juste avant l'écran noir. Vous verrez quand je vais le réussir. Regardez bien ce timing, vous le voyez. Il s'apprête à monter et il n'a pas le temps de monter que vous avez l'écran noir. Et là, vous ferez deux fois PS ou une fois PS et vous rejoignez un ami en visée assistée ou alors vous rejoindrez l'activité rapide. Donc là, je recommence. Créé par Rockstar, mission Titan. Une fois que vous êtes dans la mission Titan, faites rond, vous quittez. Et dès que vous allez quitter, vous allez spammer triangle. Et en même temps, vous allez vous rapprocher du caddie. Vous allez faire un demi-tour puisqu'il est de dos à chaque fois. Donc vous verrez les premiers coups, vous allez rater. Voilà, vous voyez les montées, mais il n'y a pas eu l'écran noir. Donc j'étais mal placé. Je me rapproche à peine. Donc vous voyez, c'est au niveau du premier trait rouge. Hein. Titan,
activité créée par Rockstar. Dès que je la quitte, je fais demi-tour et je spam triangle fort. Essayez de spammer rapidement triangle. Quand vous spammez trop doucement, ben, ça prend pas en compte. Donc là, vous spammez fort, vous voyez, je fais demi-tour, boum, hop, là, il est en train de monter. Ça a marché. Je fais deux fois PS fort, deux fois PS, je vais là et je refuse ce message. Là, je suis OTR, d'accord, je suis invisible. Je vais lancer mon braquage. Donc je vais sur l'activité de Lester. Pour avoir cette activité, il faut finir une mission de préparation et avoir un appartement avec un garage 10 places. Comme ça, vous aurez la salle des braquages. Pour ceux qui n'ont pas de camion, qui n'ont pas tout ça, allez voir la vidéo des braquages. Essayez de trouver des gens qui ont fait les préparations et qui peuvent vous le relancer plusieurs fois. Voilà. Au bout de 3-4 fois, vous pouvez acheter tout ce qu'il vous faut pour faire ce glitch. Donc là, vous voyez, je suis invisible. Maintenant, je vais aller dans mon garage chercher le véhicule que je veux dupliquer. Donc, vous pourrez promener dans la carte aussi. Vous verrez les joueurs, mais les joueurs vous verront pas. Vous serez invisible total sur la carte comme en réel. Donc, ça vous permet de pouvoir tuer qui vous voulez et taper des délires, quoi. Par contre, vous allez avoir les flics. Les flics, ils pourront vous tuer, ça va tout vous annuler. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en PDG, lancer une mission gros bonnet, remorquage. Et quand vous aurez lancé cette mission remorquage, pendant 20-25 minutes, vous n'aurez pas de police. D'accord? Donc là, en fait, vous voyez, là, je suis invisible pour tout le monde. Et je peux voir les joueurs. Et j'ai accès à mes armes. Donc là, c'est un peu difficile parce que je me suis mis en visée libre. Mais si vous êtes en visée normale, ça sera plus facile de les tuer. Donc là, je vais faire un petit test. Je vais vous montrer que les kills y comptent. Bim. Donc les gars, abonnez-vous. Un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages, qui me disent qu'on les a bien aidés, que ça le fait plaisir, que les glitches ils lui plaisent. Ça fait trop plaisir les gars, vous motivez grave. Donc vous inquiétez pas, on est plusieurs, on est à l'affût. Dès qu'on vous trouve des glitches, là profitez-en. Tout le monde demandait un glitch solo, là vous êtes servi. Hein. Moi je vous le dis, ça fait 2 semaines on fait des glitches solo. Énorme, énorme les gars. Donc on est une des rares chaînes françaises à vous avoir sorti tous les glitches solo au bon moment. Alors on va continuer. Je vais aller chercher la véhicule que je veux dupliquer. Là, il va falloir bien respecter aussi le timing, d'accord? Donc je vais accélérer juste pour sortir du garage. Après, je fais plus rien. Je veux voir mon menu seulement. Donc il faut pas accélérer dehors, vous allez être buggé. Là, vous voyez, là, je fais plus rien. J'appuie sur mon gros bouton. Je vais sortir mon menu et je vais appeler mon camion mobile une première fois. Donc vous voyez le glitch, il bug. Hein. Normalement, on était direct téléporté. Il y a l'air d'avoir des petits changements sur le jeu. Mais ils n'ont pas réussi à le patcher. Donc là, je vais être téléporté. Pareil, encore une fois, j'ouvre mon menu. Je redemande mon camion mobile. N'accélérez pas, rien, bougez pas, c'est mieux. Ça, il va apparaître à côté de vous. Donc, ça peut vous arriver que vous êtes buggé, pas comme il faut et tout. Changez de session. C'est parce que beaucoup de monde fait ce glitch et ça fait bugger apparemment le camion. D'accord? Vous inquiétez pas. Faites-le tranquille. C'est solo. Vous avez tout votre temps. Une fois que j'ai fait apparaître le camion mobile, je rentre dedans. Vous aurez cette cinématique. Ça voudra dire que la duplication, elle est faite. D'accord? Donc votre dernier véhicule, si vous voulez pas le perdre, sortez-le du garage, sortez-le du camion et vous le re-rentrerez. D'accord? Les gars, je vous fais une grosse bise, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous les potos, faites parler un peu de Freddy 1-3-4. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bientôt, je vais vous faire des super lives. D'accord? Le 14, j'ai la fibre à la maison.
Donc j'aurai une super connexion. Et je vous montrerai un peu les modes menu que j'ai sur PC. Les gars, profitez bien de ce glitch. Ah, ciao ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bise, ciao tout le monde.